Și acum nu mai stăm să la discuții, începem cu partea a doua a conferințelor din această zi și vreau să-l invit la masă pe domnul Olivier Rota, Mr. Olivier Rota, de un institut d'études de fait religieux, Universitatea din Artois, care a venit cu acest grup al Academiei Catolice de Val-de-Sen. Și domnul Olivier Rota ne va vorbi despre dialogul lui maritan cu evreii. Am ascultat dimineața dialogul din perspectivă ecumenică prin prisma lui Paul Ricoeur. Acum vom vedea dialogul cu frații noștri mai mari, cum îi numea Papa Ioan Paul al II-lea, evrei. Lor le dialog avec les juifs, on vous écoute et on est content que vous soyez là. Merci. Mulțumesc. Bună dimineața. Bien, voilà pour les formules de politesse, j'en suis limité à ça effectivement pour mon roumain, vous m'excuserez, de ne pas en dire plus. Je remercie aussi les organisateurs d'avoir pensé à inviter un historien dans un symposium qui traite essentiellement évidemment des questions liées à la philosophie et à la théologie, parce que les historiens ont leur mot à dire dans cette question. Et un mot peut-être, d'ailleurs, à une échelle peut-être que vous ne soupçonnez pas, dans le sens où, très certainement, la conception historique des relations entre groupes, moi je travaille essentiellement sur les relations entre catholiques et juifs, mais aussi sur l'œcuménisme en partie en Angleterre, en fait la conception, je dirais, de l'histoire de l'Église et de l'histoire de ses relations a déterminé d'une certaine manière certaines ouvertures et les a permises, a permis certaines constructions, et notamment, quand on parle effectivement là de dialogue interreligieux ou dialogue entre confessions, le modèle œcuménique a servi aussi de modèle à la construction du dialogue interreligieux en Occident. Et les historiens, dans cette construction du dialogue, ont une part prépondérante, et continuent encore, je pense, aujourd'hui à avoir une part prépondérante, dans le sens où les historiens, parfois, peuvent faire exploser des modèles, des catégories de pensée, tout simplement permettre de penser ce que l'on pensait fermé, clos, d'ouvrir des perspectives. Et notamment, je voudrais citer ici, en introduction, c'est une introduction à mon introduction, mais je pense qu'elle est importante, mentionner effectivement la publication, par exemple, de cet ouvrage de Marie-Françoise Basselet, qui est une historienne antiquisante, spécialiste de Saint-Paul, qui a sorti il y a, je crois, peut-être 2 mois, « Comment les chrétiens sont devenus catholiques ?» Catholiques dans le sens aussi d'universel. Cet ouvrage est tout à fait merveilleux dans le sens où on a là une historienne qui montre que l'histoire que l'on connaît, je dirais, des premiers siècles de notre ère, de l'histoire, je dirais, de l'Église, ou plutôt des chrétiens, parce que c'est pas tellement l'histoire de l'Église et l'institution qui l'intéresse, mais des chrétiens, des communautés chrétiennes, en fait, était une histoire, enfin plutôt montre que cette histoire mettait des communautés en réseau et que ce qu'on entend par unité, parce que c'est là que je veux en venir, lorsque l'on parle d'unité, est d'une certaine manière fantasmée aujourd'hui. Quand on parle d'unité, on parle effectivement d'une Église qui serait une. Or, cette histoire, je dirais pas cet état des choses, très certainement n'a jamais existé. Les apôtres étaient divisés entre eux, nous montre-t-elle, et surtout la situation de l'Église, plutôt des Églises, dans les premiers siècles de notre ère, était celle de communautés en réseau, en relation, en communication, et donc en diversité, sur le même modèle que ce qui se faisait dans le judaïsme, d'ailleurs, du Second Temple, avant l'existence de ces communautés. C'est-à-dire que, au final, nous sommes dans l'unité, nous ne savons pas. Ce qui caractérise l'unité, c'est d'être en communication entre des églises qui se reconnaissent entre elles, au-delà de leur divergence ou de leur différence. À partir du moment où on communique, eh ben, on est effectivement dans cette unité. Et ce qui caractérisait la relation de ces églises pendant ces premiers siècles, les premiers siècles de notre ère, c'est que lorsque une église ou, je dirais, un évêque ou un représentant ayant certaines autorités était rejeté des réseaux, il était excommunié. C'était l'excommunication, l'idée même d'excommunication voulait dire qu'on était rejeté du réseau de communication, à savoir qu'on n'était plus reconnu comme faisant partie de ces églises. Donc dès lors qu'il y a communication, il y a unité.
vous laisse évidemment méditer sur tout cela en termes, je dirais, de modèles d'unité que l'on peut servir, et donc d'œcuménisme et de dialogue qui peuvent ici servir notre symposium. Je pense que là, c'est quelque chose d'assez fondamental, et c'est un apport ici d'un historien, d'une historienne, qui peut expliquer à, je dirais, des ecclésiologues et des théologiens de quelle manière ils peuvent peut-être repenser cette notion même d'unité au-delà de quelque chose qui peut être un peu fantasmé. J'en viens maintenant au sujet de ma communication, mais vous allez voir que ce que je viens de dire est lié aussi à ma communication, dans le sens où le titre que j'avais proposé était un peu plus précis que la notion de dialogue entre juifs et chrétiens, le philosophe Jacques Maritain et les juifs, dans le sens où cette notion de dialogue est anachronique avant le début des années 60, le moment où le Concile Vatican II commence à être pensé, et encore, je dirais que c'est peut-être même un terme qui est plutôt utilisé à la fin du Concile. Donc avant 1965 de dialogue interreligieux, quelle que soit la configuration, je dirais que ça serait d'une certaine manière un abus de langage. Et je vais plutôt m'intéresser ici au statut du particulier et de l'universel, vous voyez bien ici la relation aussi avec notre sujet, dans la pensée de Jacques Maritain, en montrant de quelle manière sa pensée a été inclusive des Juifs dans l'entre-deux-guerres, et aussi de quelle manière sa pensée inclusive des Juifs, à un moment donné où on pensait les Juifs comme étant, d'une certaine manière, une contre-église, un contre-exemple, un contre-modèle, à savoir que notre pensée, de la manière la plus primaire possible, primale, pense par contradiction. Il y a le blanc et le noir, il y a le bien et le mal, il y a les juifs et les chrétiens, sous-entendu les juifs auraient été une sorte de contre-modèle de l'Église, il y a l'Orient et l'Occident. À savoir que quelle idée de l'Orient s'il n'y a pas l'Occident. D'une certaine manière, c'est la manière la plus basique que l'on ait de penser. Après, il y a des manières plus évoluées, évidemment, plus raffinées, plus subtiles, qui permettent effectivement d'ajouter de la nuance et peut-être aussi de la précision à cette pensée primaire ou primale. Mais la pensée, effectivement, par contradiction, par opposition, a été présente très fortement dans l'Église et l'Église catholique jusqu'aux années... pour la période contemporaine, ici, c'est celle qui m'intéresse. Je suis historien de la période contemporaine, donc c'est évidemment celle-ci qui m'intéresse. Je ne parlerai pas des périodes plus anciennes, mais a été quand même un fait marquant du XIXe siècle, notamment dans la pensée catholique. Et les choses ont commencé vraiment à se décanter que dans l'entre-deux-guerres, je pense. Le non-juif, là je suis vraiment à ma véritable introduction, le non-juif a longtemps servi de repoussoir à la pensée catholique. Ce nom a été construit comme une antithèse à la notion même de catholicité, d'universalité, et a représenté tout au long de l'histoire chrétienne, mais une histoire chrétienne qu'on peut limiter de la période patristique, et encore ça dépend des auteurs, jusqu'à la période du Second Concile de Vatican, comme un particularisme dépassé par l'universalisme chrétien. Abandon de la circoncision, des lois alimentaires, du particularisme national, la voie qui a été choisie historiquement par l'Église, parce qu'à l'origine, évidemment, il y avait une diversité, il y avait des débats sur ces questions-là, mais au final, ces trois éléments ont été retenus comme caractéristiques de l'Église, des Églises. Ces trois éléments ont permis d'argumenter, dans le christianisme des premiers siècles, d'une certaine forme de supériorité de la vérité chrétienne à celle du judaïsme, en montrant que finalement son universalité serait l'argument qui prouverait sa supériorité, et en présentant dans un même temps la religion juive comme une forme de religion archaïque. Parce que là on est vraiment aussi, bien entendu, dans la caricature, hein, gardez cela à l'esprit. 20 siècles d'anti-judaïsme, peut-être un peu moins, ont conduit le christianisme à complètement méconnaître les évolutions internes de la foi juive postérieure au 1er siècle de notre ère. Et il faut attendre le XXe siècle, c'est la période qui m'intéresse, pour que s'engage un mouvement chrétien de reconnaissance de la vitalité du judaïsme. Ce mouvement, initié notamment dans les milieux missionnaires catholiques de l'entre-deux-guerres, en Occident, en France d'ailleurs surtout, s'est transformé après la Seconde Guerre mondiale en un élan sincère de rapprochement, puis de dialogue interreligieux. Les acteurs chrétiens du dialogue judéo-chrétien se sont impliqués à faire tomber les caricatures, reconnaissant le judaïsme pour ce qu'il est, à savoir une religion familière des textes originaux du christianisme, et les juifs religieux pour ce qu'ils sont, à savoir des individus qui sont fidèles à leur foi, reconnus comme tels, à leur révélation, à Dieu,
L'Église catholique a posé, depuis le Second Concile de Vatican, des gestes forts de réconciliation et même de contrition. Dans cette longue transformation de l'enseignement du mépris en un enseignement de l'estime, l'expression est de Jules Isaac, l'historien. La personne de Jacques Maritain, né en 1882, mort en 1973, occupe une place capitale, me semble-t-il. Figure majeure du néotomisme, on l'avait encore dit d'ailleurs, c'est Jean-François Petit qui l'avait signalé, Maritain a donné à l'Église catholique les moyens de se situer face à la modernité. Et les deux sont, je dirais, les deux éléments vont ensemble. Les Juifs étaient perçus dans la mentalité catholique de l'époque comme étant les agents de la modernité. Se situer par rapport à la modernité, se situer par rapport aux Juifs, relever d'un même défi. Maritain était aussi tenant d'une distinction entre culture et religion, entre christianisme et chrétienté. Et sa philosophie s'est naturellement détachée du discours antisémite ambiant, jusqu'à donner lieu en 1938 à un premier ouvrage consacré aux Juifs et qui avait pour titre « Les Juifs parmi les nations ». Cette étude faisait suite à plusieurs courts textes publiés entre 1921 et 1937 qui témoignent de tout son intérêt, de son intérêt constant pour la question, et pour cause, je dirais d'une certaine manière, vu que son épouse était juive, et considérait que son appartenance au peuple juif était significative de quelque chose pour sa foi chrétienne. Maritain partageait la même conviction. Le discours antisémite porté par le catholicisme de l'entre-deux-guerres appelait à exclure, à cette période-là, donc dans l'entre-deux-guerres, les juifs des cadres d'une société que l'on pensait encore comme chrétienne. La poussée nationaliste de la fin du XIXe siècle avait conduit les catholiques d'Europe occidentale, occidentale et centrale, à ériger le juif en figure de l'étranger éternel, le tenant d'une foi orientale, et encore là un lien avec notre colloque, d'une foi orientale et sémite, à savoir que d'une certaine manière, dans la pensée occidentale, le juif figurait la figure de l'oriental, et donc de l'étranger, à ses yeux. En réaction à ce discours exclusif antisémite, une frange du catholicisme avait répondu en rappelant que Jésus était juif, né d'une juive et entouré de juifs, ses apôtres. Il apparaissait que le marcionisme sous-jacent au discours antisémite menaçait alors la cohérence interne du christianisme. Et contre cette tentation marcioniste, une partie de l'Église catholique de l'entre-deux-guerres, Maritain a produit une pensée chrétienne capable de faire sens de la coexistence entre particularité juive et universalisme chrétien, en montrant que l'un n'excluait pas l'autre, finalement. Ce sera notre propos de présenter cette pensée en resituant les sources et les audaces théologiques et philosophiques. Première partie, réintégrer les Juifs à la pensée chrétienne. L'influence croisée du père Clérissac et d'Eric Pedersen, sur Maritain. Jacques Maritain était un converti au catholicisme. D'ailleurs, faut-il le signaler, il avait sa petite réputation aussi en Roumanie, où il a été publié, je crois, et traduit à Iași, si je me souviens bien, dans les années 30. Un ou deux de ses ouvrages a été publié à cette époque-là. Lié aussi à Berdiaev, dont parlait Jean-François Petit hier. Il y aura dans ma communication quelques échos à ce qui a été dit hier. Il a été baptisé en 1906 dans l'Église catholique, et ses années de formation, donc celles entre 1906, les années 1910 et le début des années 20, ont été marqués par l'ambiance royaliste et antimoderniste d'un mouvement qu'on appelle l'Action française, de Charles Maurras, qui avait donc, c'est très particulier, c'est très caractéristique, donc d'être royaliste, antimoderniste. Sa pensée spirituelle a toutefois conduit à la rupture avec ce mouvement. Entre 1926 et 1927, Maritain a accompagné la condamnation romaine de l'Action française par la publication de deux livres, « Primauté du spirituel », dans le titre, et pourquoi Rome a parlé. En 1926, Maritain a également publié un court texte témoignant de sa conscience des liens intimes entre le christianisme et les juifs. Et il écrivait ceci. Nous ne pouvons pas méconnaître le privilège spirituel de la race de la Vierge et de Jésus, les juifs. L'an dernier, des jeunes gens bien pensants, pour conspuer un ministre indigne, criaient à tue-tête « Abraham, ouh !» sans comprendre qu'ils outrageaient le ciel en salissant le nom du saint immense dont la paternité enveloppe tous les croyants. C'est-à-dire que dans la mentalité catholique de l'époque, tous les noms de l'Ancien Testament étaient d'une certaine manière à conspuer. Ils étaient des sortes de contre-témoignages du christianisme, alors même qu'ils avaient préparé le christianisme. C'est-à-dire que tout ce qui avait trait aux juifs était d'une certaine manière perçu, non pas comme antéchristique, antérieur au Christ, antichristique. Opposé au Christ,
C'était une complète contradiction, mais on en était là dans les années 30. Et l'antijudaïsme de l'Église se transformant en antisémitisme, donc devenant exclusif, avait conduit donc à concevoir Jésus en opposition à tous les personnages de l'Ancien Testament. L'orientalisme du XIXe siècle s'était mué en une haine des racines orientales du christianisme, une complète aberration. La prétention chrétienne à l'universalité s'était accompagnée d'une rupture avec ses racines historiques, c'est-à-dire juives, comme si l'universalisme chrétien ne pouvait que récuser tout particularisme. Or, comme le rappelait justement Maritain en référence à saint Paul, je cite, « C'est sur eux, les juifs, que nous sommes hantés. Comment ne serions-nous pas attentifs au souffle qui passe sur le vieux tronc ?» Pour Maritain, il convenait de rétablir le sens d'une histoire biblique partagée entre juifs et chrétiens autrement qu'en termes d'opposition. Lecteur de saint Paul, tenant d'une philosophie historique embrassant l'histoire chrétienne depuis ses origines abrahamiques, donc depuis toutes ses origines tout court, Maritain reprit ses propos à l'occasion de son fameux volume de 1936, « Humanisme intégral », dans lequel il se réclama d'un, je cite, « humanisme de l'incarnation » qui ne comporterait d'autre théocratie que celle du divin amour et serait marqué par la réintégration finale d'Israël, dit-il, annoncée par saint Paul. Cette réintégration finale devait passer, dans la pensée de Maritain, par une réintégration préalable des Juifs dans la pensée chrétienne. Pour qu'il y ait réintégration, encore faut-il penser ce que sont les Juifs pour un chrétien, non pas simplement les accuser de tous les maux et les caricaturer. Cette démarche inclusive s'opposait alors frontalement aux aspirations exclusives de l'antisémitisme de l'époque, qui présentait pour sa part le Juif comme un ennemi implacable et absolu du christianisme. Démarche nouvelle dans l'Église catholique, la démarche de Maritain rencontrait depuis le début des années 20, et puis ce type de démarche de manière générale, l'engouement de toute une frange de religieux et de religieuses, de prêtres et d'écrivains, en lien avec la congrégation notamment de Notre-Dame de Sion, qui était à l'époque chargée de convertir les Juifs, s'y intéresser. Toutefois, il restait encore à rattacher cette intuition à une tradition scripturaire capable de légitimer son approche. Et le développement du philosémitisme, s'il était souhaité par Rome, le pape le cautionnait, devait démontrer sa propre légitimité face au discours antisémite. Cette légitimité trouva à se construire en lecture de l'épître aux Romains, en ses chapitres 9 à 11, lesquels rappellent que le peuple juif n'a pas été rejeté par Dieu, annoncent sa réintégration future et définissent le rôle des juifs dans l'histoire sous le vocable de mystère. A savoir que jusque-là, finalement, l'épître aux Romains, on ne la lisait pas. Quand on la lisait de manière allégorique, en disant « oui, on nous parle de l'Église, on ne nous parle pas des juifs ». On parle d'Israël, on parle des Juifs. Oui, mais qu'à chaque fois qu'on dit Juif, c'est pour dire parler de l'Église. Bon, les gars, lisez un peu le texte pour ce qu'il vous dit. C'est un peu le réflexe que Maritain a eu et d'autres ont eu, à savoir lire vraiment l'Épître aux Romains pour ce qu'elle dit, et non pas ce qu'on veut lui faire dire. La notion de mystère n'était pas étrangère à la pensée de Maritain, déjà dans ses années 20-30. Le philosophe avait en effet eu pour directeur de conscience le père Humbert Clérissac, un dominicain, auteur d'un livre posthume, publié justement par Maritain, et intitulé « Le mystère de l'Église ». D'abord édité par Maritain avec les canons De Ecclesia du premier concile de Vatican, l'ouvrage fut ensuite réimprimé, sans ajout d'appendice. Maritain, entre deux, avait pris conscience qu'il y avait là quelque chose de radicalement nouveau dans les écrits de Clérissac. La vision de Clérissac, en effet, ne se laissait pas enfermer dans l'ecclésiologie triomphaliste issue du premier concile de Vatican. Le dominicain affirmait en effet une conception nouvelle de l'Église, plus humble face au dessein de Dieu. Pour Clérissac, je cite, « Malgré que nous en puissions goûter la beauté et la richesse, nous ne pénétrons pas en son fond. L'Église recèle un mystère, dit-il. Un mystère qu'il définissait comme, je cite, « des objets de la foi considérés non pas seulement comme des énoncés incompréhensibles, une énigme, mais surtout comme des faits divins, ce qui est la véritable définition d'un mystère dans le langage chrétien. » Et donc, par conséquent, ils font partie d'un plan de Dieu. Il faut donc chercher à les interroger. Les conceptions ecclésiologiques du père Clérissac trouvèrent à s'écouler dans les thèses philosémites de l'entre-deux-guerres par le truchement d'un de ses lecteurs allemands, le théologien Erik Peterson, longtemps professeur d'exégèse du Nouveau Testament à l'université de Bonn, et converti en 1929 au catholicisme au terme d'une évolution spirituelle à laquelle aussi, faut-il le dire, Maritain ne fut probablement pas étranger. Peterson reprit à son compte la vision de Clérissac dans son ouvrage et l'explora à l'intérieur d'une lecture systématique des chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains en s'intéressant à la relation de l'Église aux Juifs.
Son ouvrage fut publié par Marita dans sa collection du Courrier des Îles sous le titre de « Le mystère des Juifs et des Gentils dans l'Église » au milieu des années 30. L'ouvrage reprenait et organisait ensemble l'ensemble des propos apologétiques qui argumentent habituellement en faveur d'un passage de l'élection d'Israël dans l'Église des Gentils, ce qu'on appelle la théologie de la substitution, aujourd'hui dépassée. Mais ce faisant, Peterson apportait une nouvelle compréhension de l'affirmation paulinienne selon laquelle les dons de Dieu sont sans repentance. Le théologien allemand énonçait ainsi, je cite, « Si Paul affirme que l'élection d'Israël n'est pas périmée, c'est justement parce qu'il croit d'une façon très ferme que la parole de Dieu n'a pas failli. Seulement, l'élection doit être comprise spirituellement et non charnellement, eschatologiquement et non temporellement. » Ce sont des mots qui nous occupaient là depuis deux jours. « Alors on comprend que juif et gentil, dit-il, appartiennent à l'Israël élu, tel qu'il se présente dans l'Ecclésia. » Savoir que pour lui, finalement, la communauté est une communauté qui contient aussi, d'une certaine manière, les Juifs. Le premier schisme, c'est celui-là. La première communauté, c'est comprendre, effectivement, les Juifs et ceux qui se sont associés, finalement, les chrétiens. Peterson envisageait le versement de l'élection d'Israël dans l'Église et conférait de cette manière au peuple juif un rôle dans le mystère de l'Église. À savoir que désormais, les Juifs n'étaient plus pensés comme extérieurs à l'Église, opposants à l'Église, ennemis de l'Église, mais occupant un rôle dans les desseins de Dieu pour l'Église. Un rôle, vous allez voir, positif. Peterson défendait donc une notion d'Ecclésia englobant de facto juif et gentil. Pour lui, le peuple juif n'avait pas été rejeté. Il dit ceci, l'aveuglement des juifs ne signifie pas forcément qu'ils resteront toujours incroyants. Au contraire, Peterson rappelait, en écho aux mots de Paul, que l'élection d'Israël était passée aux gentils grâce, et non pas à cause, du trébuchement du peuple juif. Il dit ceci, le juif est ennemi de Dieu, langage paulinien, parce qu'il désobéit à l'Évangile. Il est cet ennemi à notre bénéfice, au bénéfice des gentils. Mais il est aimé de Dieu, à cause de l'élection dans les patriarches. C'est pourquoi toute la vie du juif est à double face, et l'ambivalence de cette vie juive ne cessera que lorsque tout Israël sera devenu croyant, et que notre Seigneur sera redescendu du ciel. Sous-entendu, le rejet n'est que temporaire, et il n'est que théologique, mais le peuple en soi n'est pas rejeté. Il est aimé, il continue à être aimé de Dieu. Peterson décrivait ainsi un peuple juif destiné à réintégrer à terme l'Église et occupant donc une mission particulière aux côtés de l'Église. Les postulats de Peterson, enfin plutôt de Clérissac et de Peterson que j'ai mentionné ici, ont convergé et progressé dans l'œuvre de Maritain. Clérissac se plaisait à répéter que la sagesse de saint Paul, tout en jaillissement, toute inspiration, est plus purement divine que la sagesse scientifiquement élaborée de la somme théologique. C'est ainsi que Clérissac empruntait la notion de mystère aux épîtres pauliniennes. De son côté, Peterson sut intégrer l'idée d'une participation juive au mystère de l'Église. À la croisée de ces deux théologiens, Maritain affirma dans sa publication de 1937 l'existence d'un mystère d'Israël, analogique pour lui au mystère de l'Église. Pour le philosophe, les Juifs ne sont ni un peuple ni une nation stricto sensu, mais un mystère. Le mystère d'Israël répond intimement au mystère de l'Église. L'un et l'autre sont mystère de Dieu en tant que projet de Dieu sur le monde. Je cite. L'Église est universelle, répandue dans toutes les civilisations et les nations comme une unité et communauté transcendantale où du sein des diversités temporelles, tous et chacun peuvent être assumés pour être faits de la race de Dieu par le sang vivificateur du Fils de Dieu. Le corps mystique d'Israël est celui d'un peuple particulier. Sa base est temporelle et comporte une communauté de chair et de sang. Pour se répandre dans l'univers, il le faut disjoint de lui-même, brisé et dispersé. La diaspora, déjà commencée avec l'ère chrétienne, ce qui veut dire que la diaspora n'était pas une résultante d'une malédiction, mais qu'elle était préexistante à la destruction du temple, à la mort de Jésus. La diaspora, déjà commencée avant l'ère chrétienne, dit-il, est la correspondance meurtrie de la catholicité de l'Église. À savoir que la dispersion de l'Église, qui sont d'universalité, correspond à la dispersion, effectivement, des Juifs. Argumentaire philosémique le plus achevé, l'impossible antisémitisme, fut publié pour la première fois dans le volume collectif Les Juifs, édité chez Plomb en 1937.
apparaissait aux côtés d'autres. Ce texte apparaissait aux côtés d'autres textes philosémites connus de cette période-là. On s'y revint, Schwab, Kataoui, Claudel, etc. Mais le texte de Maritain se démarquait par son extrême audace et ses éblouissantes perspectives, surtout si on reprojette ça dans les années 30. Il fut suivi en 1938 par un autre texte reprenant l'idée d'une vocation d'Israël, lu à l'occasion d'une conférence donnée à Paris, au Théâtre des Ambassadeurs, et publié la même année, à la fois dans la vie intellectuelle et sous forme de brochures séparées. Le texte de la conférence fut ensuite repris et développé à l'occasion d'une soirée organisée par la National Conference of Jews and Christians au Cosmopolitan Club de New York, le 14 décembre 1938, et publié en deux volumes distincts en 1939, Antisemitism à Londres et A Christian Looks at the Jewish Question à New York. Autant dire que c'était devenu, pour Maritain, une question essentielle à ses yeux. La nouveauté de ce texte réside dans le fait que Maritain examine la situation des Juifs de son temps, non pas des Juifs bibliques qui finalement n'existent plus. Maritain parle d'Israël autrement qu'au passé et avance l'idée que le peuple juif a encore une mission à accomplir après la venue du Christ. Peuple par excellence, car peuple de Dieu, dit-il, Israël est un mystère d'ordre sacré, du même ordre que le mystère du monde et le mystère de l'Église. Il dit encore ceci, il y a une relation suprahumaine d'Israël au monde, comme de l'Église au monde. Le mystère d'Israël est pour lui une sorte de mystère à l'analogie inversée, renversée plutôt, avec l'Église. Pour le philosophe, Israël est, je cite, « n'est pas une contre-Église, pas plus qu'il existe de contre-Dieu ou de contre-épouse. C'est une Église infidèle, répudiée comme Église, non comme peuple. C'est un peuple dont la réintégration est toujours attendue. » Prenant pour point de départ le refus juif de reconnaître Jésus comme son Messie, Maritain avançait l'idée qu'Israël est un corpus mysticum, à sa manière, toute marquée par son espérance terrestre, ce qui le différencie de l'Église. La communion, dit-il, la communion de ce corps mystique n'est pas la communion des saints, c'est la communion de l'espérance terrestre. Pour Maritain, Israël vit dans la promesse et la nostalgie, là où l'Église est possession et sainteté. Aussi, toute rivée à l'attente de l'événement du royaume de Dieu ici-bas, les vertus juives s'appliquent dans le monde. Et il dit ceci, le drame d'Israël, c'est de lutter contre le prince de ce monde, en aimant le monde, en étant attaché au monde. Le drame d'Israël ne réside donc pas tant dans sa participation à la crucifixion de Jésus que dans le fait qu'il ne parvient pas à reconnaître Jésus comme son Messie. Maritain envisage ainsi le fait qu'Israël continue sa mission dans le temps chrétien, en dépit de son aveuglement et de son refus de reconnaître Jésus-Christ, selon donc les critères chrétiens. Si le peuple juif n'est plus, du fait de son refus, au centre de la mission de rédemption de l'humanité, dans la conception que se fait Maritain du christianisme, il n'en reste pas moins qu'il participe à celle-ci, non plus dans l'ordre proprement spirituel, qui est celle de l'Église, mais uniquement temporelle, du fait de sa persistance dans le temps et de sa propre soif de Dieu. Le peuple juif continue à exister, il continue à être actif dans le monde, et cela a une signification pour l'Église, dit Maritain. J'en viendrai... J'ai encore 15 pages. Mais c'est pas très grave. Maritain, j'en viendrai... effectivement, Maritain a lu d'autres auteurs que Peterson et Clarissa, notamment l'historien Eric Kahler, historien juif de l'époque, qui a décrit la situation de du judaïsme de son époque, européen, dans les années 30. Et Maritain a vu Kahler avec les lunettes d'un philosophe chrétien, cherchant à retraduire immédiatement les propos de l'historien en langue chrétienne. Ce qu'il partage avec Kahler, vous me permettrez donc d'être un peu rapide, effectivement, sur cette... sur cette lecture, c'est la place qu'occupent finalement les Juifs dans cette Europe de l'entre-deux-guerres. On sent bien que les Juifs ont une place à la frange des sociétés, ou en tout cas on veut les repousser à la frange, qu'ils continuent, parce qu'ils sont proches des mouvements modernes, notamment du communisme, mais finalement de toutes les modernités intellectuelles de l'époque, ils en sont proches, ils sont finalement un rôle d'irritant à ses yeux, aux yeux de Kahler. Et Maritain reprend cette même idée, à savoir que finalement les Juifs auraient une vision, un rôle d'irritation du monde qui permettrait, in fine, de faire bouger le monde sur ses certitudes. Et de cette manière-là, de faire évoluer le monde de manière différente que l'Église, en
n'ayant une action temporelle, là où l'Église a une action spirituelle sur le monde, en tant qu'irritant, mais en sachant que ça, finalement sa situation, enfin plutôt son action d'irritation, bénéficie à l'Église. Je n'en rentrerai pas non plus dans, je dirais, dans la vision, de la philosophie de l'histoire de Maritain, mais c'est un petit peu quelque chose qui avait été dit par Anna d'ailleurs, qui est... qui est ici, effectivement, dans cette vision, finalement, c'est la parabole du bon grain et de l'ivraie, de cette double, enfin, de cette histoire qui, finalement, n'est pas linéaire, n'est pas uniquement pensée selon les termes de progrès, mais un progrès qui est toujours dynamique avec des forces qui tirent vers le haut et des forces qui tirent vers le bas, dont il faut effectivement faire la distinction. Dans la conception de Maritain, toujours en allant vite, le rôle du peuple juif et de permettre au monde de ne pas s'installer dans un état dans lequel le mal et l'injustice auraient disparu. Son travail est de maintenir et d'accroître dans le monde une tension interne et un mouvement de délivrance lente et douloureuse grâce à la puissance de la vérité, de la justice, du bien, de l'amour qui revitalise perpétuellement l'énergie de l'histoire humaine, tandis que les forces de dégradation agissent dans sa la direction opposée. A savoir qu'en gros, là où les chrétiens ont peut-être parfois failli parce que leur cœur était dur, les Juifs ont continué par des actions de bienfaisance, par effectivement des vertus qui étaient assez propres aux Juifs de cette époque-là, et certainement pourraient continuer jusqu'à aujourd'hui, effectivement permis au monde de ne pas rester satisfait de lui-même, jusqu'à ce que, jusqu'y compris lorsque ces forces, je dirais, d'irritation prennent des aspects plus déplaisants, comme le communisme par exemple. Où de nombreux juifs, on le savait à l'époque, participaient. J'en arrive à ma conclusion, ça ira. J'ai bien avancé, mais j'ai élagué 15 pages, très bien. Bon, 15 pages j'exagère, mais pour faire style. Alors, en conclusion, avançant l'idée qu'il est possible, à la réflexion philosophique guidée par la doctrine de saint Paul, d'arriver à quelques conclusions, Maritain structurait ses propos sur les juifs à la croisée d'une lecture renouvelée de l'Épître aux Romains, d'une réflexion sur le mystère d'Israël et une certaine perspective philosophique de l'histoire. Si Maritain a accordé quelques essais autonomes sur la question d'une vocation du peuple juif dans l'histoire, il paraît significatif que trois de ses ouvrages distincts postérieurs à la période ici que j'ai mentionnée aient été occupés par cette question. Saint Paul, de l'Église du Christ pour une philosophie de l'histoire. Ces trois ouvrages traitent précisément de cette question, celle des rapports aux juifs, de la place des juifs, que les juifs peuvent avoir dans une pensée chrétienne. Ces ouvrages témoignent de la volonté d'articuler explicitement le mystère d'Israël au mystère de l'Église à l'intérieur d'une vision globale, inclusive de l'histoire. Pour Maritain, il importait en effet, je cite, de fournir un constant travail d'intelligence concrète qui ne résout ni ne surmonte définitivement les antinomies, ici entre juifs et chrétiens, on peut les imaginer aussi entre Occident et Orient et entre confessions chrétiennes, mais à chaque moment de la durée, avant de quoi les supporter et les assoupir. C'est au final, je dirais, le projet généreux de tout mouvement de dialogue, me semble-t-il. Je vous remercie. Consistante, vraiment, parce que malheureusement, on n'aura pas le temps d'en discuter plus, mais peut-être qu'on trouvera pendant le pizza de cet exercice de partage. Vous m'excuserez. Après la communication, j'accepte qu'on m'offre un verre, mais un verre, une question. Voilà. En tout cas, ça nous prend vraiment du temps pour le chevalade. Je l'invite immédiatement.